Le duc Lucas Abel a rasé l'ancien palais de Karnaca pour s'en construire un nouveau. Un monument à la mesure de son ego. Il sait peut-être ce qu'il attend, mais j'ai bien l'intention de lui faire payer chèrement ses crimes. Je vais lui montrer qu'on ne trahit pas l'Empire impunément. Après cette nuit, le duc sera mort ou destitué, selon la tournure que prendront les choses. Que cela sème ou non le chaos sur Cerkonos, ce sera de sa faute, pas la mienne. Je dois pénétrer à l'intérieur, m'occuper du duc et trouver un moyen de voler l'âme de Delilah. Hello tout le monde, Sauron, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Dishonored 2 en partant avec Guestwatch.com. Oh, bonjour. C'est ma dernière nuit. Je disparaîtrai bientôt dans l'éternité du néant. Tu trouveras la paix. Je suis restée trop longtemps. Trouve l'esprit de Delilah. Emprisonne-la dans cette prison de chair putride. Libère-moi. Je ne comprends pas. Tu comprendras bientôt. Aou! Bon, je pense que de toute façon le duc, vous me connaissez. Il va pas faire long feu, hein. Bon, il y a aucune pitié. Vu que c'est tous des ennemis, bah, ils vont crever. Je me demande pourquoi personne ne s'est attaqué au duc plus tôt. Encore un aristocrate puissant qui vit dans son palais, exploitant jusqu'à la mort ceux qui l'ont construit. Waouh, tu as un passage secret. Je regrette d'avoir. Bonjour. Vous serez à la hauteur? J'ai visité des dizaines de châteaux et des centaines de manoirs un peu partout. Et ils se ressemblent tous. Le palais du duc ne peut pas être pire que les après-midi mondains de Lady Brisby. Pénétrer à l'intérieur ne devrait pas être si difficile. Le duc est plutôt laxiste dans ce domaine. Assassiner le duc Abel n'est pas une fin en soi. Vous devez aussi découvrir ce qu'il garde si précieusement pour Delilah. Bah, son esprit, je pense. Vous n'avez pas voulu vous étendre sur ce que vous avez découvert à Poussièreville, et je l'accepte. Que serait le monde sans une pointe de mystère? Mais quand vous serez à l'intérieur du Grand Palais, vos actions pourraient changer durablement le destin de Karnaca. Ne l'oubliez pas. Je peux vous donner un plan du Grand Palais et je sais une chose qui pourrait vous être utile. Il y a un passage secret qui mène à la chambre forte du duc dans le garde-manger, actionné par un mécanisme caché. S'il a mis quelque chose en lieu sûr pour Delilah, c'est l'endroit tout désigné. Bonne chance pour le reste. Tous ceux qui osent s'interposer entre le duc Abel et moi vont le regretter. Je les tuerai tous, jusqu'au dernier. Ouais, de ce qu'elle avait dit dans la vidéo, il me semble que si je tue le duc, ça serait mal pour Karnaca. Donc, je sais pas. Je sais pas si j'aurais le choix. On peut mettre le cap sur le palais. Tout dépendra s'il y a du people ou pas. On peut y aller. On verra bien si quelqu'un s'interpose entre moi et le duc, ou pas. Sinon, bah, je shooterai dans le tas, ou pas. Voilà. Vous avez déjà mon avis sur comment ça va se passer. Ou si vraiment j'ai la flemme et je veux que ça soit le bordel, ben, il sera mort. Si on me laisse le choix juste avant de le laisser en vie ou pas, ben... Voilà, quoi. Vit en permanence. Donc, faut que je trouve le garde-manger. Un sosie censé tromper les assassins. Une amie qui travaille à la lingerie m'a dit que son sosie fumait, si ça peut vous aider. Vous devriez peut-être essayer de lui parler. Elle a dit que c'était un brave type. Se faire passer pour un tyran comme le duc Lucas Abel, ça doit être vraiment merdique comme boulot. Ok, donc s'il y a quelqu'un qui fume, c'est le faux. Je ne sais pas comment les gens supportent le duc. Il possède toute une armée. Il contrôle la mine et il a le soutien de la capitale. Invité à sa table, les puissants décident du sort du monde en dégustant des fruits de mer. On avait aussi ce genre de réception à Dunwall, pleine de lèche-bottes qui me faisaient la cour tout en essayant de se couler les uns les autres. Pauvre impératrice. Je pouvais voir les lampions et les illuminations à vos balcons depuis la boucherie abandonnée où je devais dormir, dans le quartier. Alors, est-ce qu'il y a des fenêtres ouvertes? Je sais que vous avez eu la vie dure, Megan. J'irais souvent à travers Dunwall incognito. Mais quand j'en avais assez, je pouvais toujours revenir à la tour. Karnaca m'a ouvert les yeux. Tant mieux. Okay. Après avoir éliminé le duc, découvrez ce qu'il cache pour Delilah et emparez-vous-en. Je viendrai vous récupérer à bord du canot. Ok, si, il faut l'éliminer, on est d'accord.
Alors, on va faire ça. Et on ne peut pas. Bref. Oula. Hop. Alors, faut que je trouve une pote à la lingerie. Le duc qui fume, c'est le faux. Et il y a un passage secret au garde-manger. Je vais me téléporter dessus, mais. Il y a quelqu'un? Quoi? Alors... What the fuck? Ok. On va pas y aller comme ça, hein, d'accord. Il y avait des grosses tourelles en haut, des miradors. Putain. Ok, je reprends là. On va sauvegarder. Quelqu'un? Non. Ne m'obligez pas à chercher partout, j'ai autre chose à faire. Tu caches ton visage, espèce de lâche. Vous ne vous échapperez pas. Ce soir, je raconterai ta mort à la taverne. Je vais te mettre en pièce. Ma chance est pas. Vermine ! Rien d'impressionnant. Allez hop. Ça va se finir entre nous. Prends ça. J'ai exactement ce que tu veux. Ah. Non, bah c'était qui? On gagnait bien notre vie ici, jusqu'à ce que la grande. Je suis un cerconien pur souche. J'ai toujours. Beaucoup de gens essaient de quitter Karnaca maintenant. Et où est-ce qu'on peut aller? Bon. L'argent ici, même si c'est sale. Comment je peux me faufiler sans faire comme t'es? Ouais, y a des fenêtres ouvertes et tout. Mais... Sauvegarde. Tant que je m'approche du point, je sauvegarde après. Vermine n'existe pas, capitaine. Je connais les lois de Karnaca. Les lois changent. Le duc a autorisé la grande garde à instaurer de nouvelles taxes en cas de besoin. Vous savez qu'il y avait une jolie boutique, elle aussi, cette horlogère. C'est raffiné. Putain, fais chier, je peux pas recharger. Son commerce a brûlé. Ouais, exact. Le rapport indique que c'était sûrement un coup des hurleurs. Et personne ne sait comment... Capitaine, son frère est mort dans cet incendie. Cuvée ivre mort dans la réserve, si mes souvenirs sont bons. Voilà. On va essayer d'y aller tranquillos. Regarde. Soit je peux sortir par là. Ou ça pue l'embuscade. Je vais monter encore d'un étage si je peux. Non, je peux pas. On va sortir par là.
What, c'est qui me voit? On va rester en hauteur si possible. Quoi ce bordel? Ah d'accord, il y avait un... Il y avait un piège que je n'ai pas vu. Ce genre de piège. Tu n'as plus la voir. Je ne peux même plus parler à ce qu'on m'a dit. Et depuis, on m'invite à manger chez elle. Putain, c'est chaud. J'essaie de m'infiltrer sans... Pourquoi tant de gens ont-ils si peu? Ils ne devaient pas en être ainsi. Qu'est-ce qu'il y a de dessus? De feu. Nom d'un chien. Et puis. Dehors moi. Il y a quoi, des trucs intéressants. Oh, des flingues. Ok, on s'y rapproche. Dangereusement, mais on s'y rapproche. Mais ça, c'est des rails. Yolala. Vous n'êtes plus là. Merde, j'ai cru entendre des mouches de sang l'espace d'un instant. Qu'est-ce que c'était? J'avais entendu ça, Sissi. Que... Quoi? Quelqu'un s'est attaqué. Putain. On vit une période bizarre. Faut toujours rester sur ses gardes. Yolo. Personne ne sait ce qui s'est passé. Ça pourrait être même de mon fils. Il est nulle part. Je vais vous montrer comment j'ai gagné mes galants. On se casse. Putain. Putain, j'aurais même pas dû utiliser ma flèche hurlante. Au moins, je l'aurais une en avance. Que là j'ai toujours une flèche hurlante en moins. Ça me fait chier parce que j'ai pas de munitions. Ok. On se retrouve. Putain, je peux pas savoir là.
Ah bah c'est bon, il a fermé Blas. Qu'est-ce qui va pas ? Contrarié. Contrarié ? Un peu, oui. J'ai reçu la réponse à ma demande de mutation. Est-ce que je peux descendre en bas ? Vous embêtez avec les formulaires et les procédures. Vous distribuez les amendes. Manque de berger. J'étais plutôt bon de mon temps. On donnait même des cours de natation à... J'ai rien pour les distraire. La ville a bien changé. Alors, refais une demande dans un mois. Ah, je savais pas. L'état-major change tout. T'as fait un pack. Nouveaux officiers. Non, putain, je tue. Ah non. Oh, putain, j'ai eu la chatte. Ok, ça tire de merde. Tu veux pas prendre le bateau? Non. Pas genre moi si. Comment je passe moi? Je fais comment pour passer vu que je peux pas monter dessus? D'accord. Ah bah si, voilà, si vous êtes demandé. En fait j'aurais pu y aller YOLO quoi. Je me suis emmerdé à tuer des gens alors que... Même pas besoin. Quoique, ils ont peut-être pu arrêter le truc. C'est bon, il y a un mec devant. Ah, c'est une statue, là, je crois que c'était un mec. Il y a un autre esprit ici. Au-delà de sa prison de chaîne. Bah ouais, c'est le truc de Delilah. Con. Alors, ici, y'a rien, y'a rien. Y'a des gens. Quoi? Revenez ici! Voilà, ça c'est fait. Quoi? Désolé. A sonné, du cabel. On s'en bat les couilles. Ok, là y'a un mec. J'ai plus assez de pouvoir moi. Non, putain. Mine paralysante. C'est qui monte la garde devant les appartements du duc ce soir? Non, c'est pas moi et tant mieux. C'est jamais très bien. Tu m'étonnes. Je sais pas qui est le pire, le duc ou sa doublure. Le premier peut te faire fouetter pour un oui ou pour un non. Voyons. Qu'est-ce que c'était? Je vais regarder par ici. Moi, j'ai je besoin d'un coup de poing. Tout de suite. Je vais chercher. C'est bon. Et c'est le point de vue de chaque courir. Je me demande qui c'était. C'est la fin. Quoi? Quelqu'un est à terre. Yolo, yolo. Ça va, ma grenade a la fait très bon effet. Ouais, il y a de la bouffe pour chien, mais je demande. Ah non, d'accord, c'est les rangs. Lui il avait rien. Et lui des pièces. Et c'est bien d'avoir des pièces. Viens si t'es une femme. Écartez-vous. La machine a besoin de place. Vous approchez pas. De merde. Putain de clubs de merde. Et là j'ai pas sauvegardé. Putain t'es sérieux.
jamais très mal. Tu m'étonnes. Je sais pas qui est le pire. Le duc. Ouvrir. Premier peut te faire. Ça va se finir entre nous. Je vais te. En plus, j'ai fait de la merde. Je crois que je vais organiser une nouvelle sortie au théâtre. Nom d'un chien. On s'en fout. Oui, oui, oui. Ne soyez pas déçus, ce n'est pas une question. On va faire un truc. Là, au moins, c'est sûr que je l'ai fait. Question de mérite. Le premier cercle n'est qu'un ramassis d'hommes de paille à la solde du duc. Maudit lèche-botte. Je suis content de ne pas en faire partie. Certes, et n'oubliez pas une chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Garde, prends ça, aidez-moi! Venez vous battre, espèce de lâche! Biou. Qu'est-ce que t'attends? Viens me battre! Je veux bien, Miyu. Eh, la bouffe. Elle a pas pu aller plus loin. Mais où est-ce qu'elle est partie? Quelqu'un est à terre! Sale petite merde! Vengeance! Faut qu'on trouve quelque chose! N'importe quoi! Ah, mais ils sont au-dessus! Quoi? Quelqu'un s'est fait attaquer! Par contre, je vais peut-être lâcher mon. Esprit de Delilo. On va poser des gardes supplémentaires devant la chambre de Lilo car son éminence y passera la nuit. Le genre Lilo. What? Attends, parce qu'il y a Lilo, je vais le buter direct. Mais faut que je pose c'est quoi sa chambre? What? Je sais pas ce qu'ils font ici, mais putain, c'est chaud. On va sauvegarder. Ah, je l'ai dit, hein. Moi je tue tout le monde. Putain, ils ont déjà des chasses d'eau ce temps-là. Ah, mais attends. C'est jour de fête ici. Blablabla, il donne pas de mot de passe, je m'en bats les couilles. Sauvegarder. Putain, c'est. J'ai carrément trouvé le truc où dormaient les soldats ou quoi? Putain, ça me fait chier là, il faut un truc. Sur mes 000. Ok, ça va. Putain, mais il y a un truc derrière là. Pour des. Ils sont bizarres. C'était ah, d'accord, dedans il y a une ruine. Très bien. Tout cela, des rivages lointains au nord, à Karnaca au sud. Oh là, moi je suis full life. Oh, le pauvre chien, il est écossais.
Vous allez payer pour ce mort. Passez ici. Que quelqu'un garde mes épées. Vous ne pouvez pas ça. Restez sur vos gardes, les gars. Cherchez partout. Dégage, clip de merde. What? Ah, oh, il veut peut-être un truc électrique. Ah, j'ai foncé YOLO. Ah putain, j'ai pas fait gaffe. En plus, j'ai cru entendre le bruit électrique de toute façon. Bon, de toute façon, c'est deux fois que je le dis, mais on s'en bat les couilles. J'ai sauvegardé. Il m'a fait mal sur le cul. Quoi ? De la bouffe, de la bouffe. Je vais rester près d'ici, hein, tous les attirer là, puis yolo. Hein. Que quelqu'un vienne m'aider. Laissez-vous. Oh, veuillez passer ici. Protégez-moi. C'est blessé. Qu'est-ce qui se passe ici? Moi, je ne fais pas éternellement. Contre-toi. Viens, je vais vous tuer. Ok, moi, je viens de là. Merde. Regardez sous les tuyaux. Allez, ne fais pas de mal. T'as crevé, putain! Oh! Le slow motion en pleine tête! J'ai pas toute la journée. Restez vigilants! Quelqu'un s'est trouvé mal? Il faut qu'on trouve quelque chose! N'importe quoi! Ouais. Aucune ouvrez l'œil! Quelle est ta tête? Je ne supporte même pas. Désolé, c'était sur mon passage. Putain, y'a encore des trucs là! On sauvegarder, faut que je trouve la chambre de Delilah là. Non, non, pas ça. C'est quelques soldats mécaniques de chez Roche. Elle pourrait se cacher sous un bureau. Viens ici. Attends, cherchez partout. Nous formes des cibles idéales. Cherchez partout. Tentez de là, identifiez-les. Le tireur se passe forcément là-bas. Alors attends, moi je veux les voir. Parce ce qu'ils sont tous ceux-là là. Qui... C'est pas du mal. Je vais faire une sauvegarde. Ah moi c'est un robot. Contre-toi. Ah non mais c'est... Mais what? Alors attends, j'espère que ça va pas niquer ma sauvegarde parce que... comment dire? J'ai sauvegardé juste avant, tout près. A mon avis, c'est une tour, là, petite tour de merde. Voilà ça. Oh, je m'en. Vous avez entendu ça? Non, mais bah attends, what the fuck, j'ai glissé avant. Un truc qui est là-bas. Je suis sûr qu'il y a quelque chose là-bas. Parce que c'est le trône, c'est pas pour rien. Ah, mais il y en a pas là ? Ah non, c'est. Elle pourrait se cacher sous un bureau. Cherchez partout ! Hein ? Que. Quoi ? Que quelqu'un vienne m'aider ! Tu tues sans rire, Mireille. Tu tues ? Tu massacres sans remords. Je vais sauvegarder. Là, je suis mal parce que. La voie que tu as choisie t'éloigne du droit chemin. Wow. Non. Oh, quoique. Hop, je le reconfigure. Logiquement, pour moi, il déco pas. Voilà.
Voilà, ça c'est bon. Attends, t'es parti ou toi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas vrai! Garde, aidez-moi! Ah, c'est moi sur le trône! Sauvegarde. Alors, attends, il y a aussi des chambres d'os là, j'ai ramassé pas mal, donc peut-être que je peux faire quelque chose. Ah non, putain, il m'en faut autant. Alors, en cas de dégâts, la mana est consommée avant la santé. Non, ça, je vais remplacer par plus de robustesse, tiens. Décharge électrique. Augmente la zone d'effet des mines paralysantes, les bouts explosives, plus de dégâts, vous récupérez de la mana sous l'eau. La chute. Assassiné, restaure la santé. Y'a pas un truc régénère de la mana, je sais pas. Je vais mettre ça. Attends, y'avait quoi là? Tuer des rats et des mouches de sang pour faire gagner de la mana. Ouais, le pouvoir surnaturel ne consomme parfois aucune mana. Ça, je vais changer, je vais mettre. Ça. Ça peut être bien ça. Et là, j'ai toujours un point. Fuck! On va sauvegarder, au moins nos trucs sont pris en compte. Voilà. Bon! Je vais pas récupérer mon truc là. Bon. Déjà, si je fais ça. Aïe! De la vie pour rien. Bon. On va aller voir là-bas. Quoi, j'y vais toujours YOLO, ça m'énerve. Bon, moi j'aurai toute ma santé. On va reprendre ça. Putain, y'avait quoi là-dedans? Ah ouais, c'est d'où je viens. Tiens, l'ascenseur. Laissez-moi deviner, c'est encore elle. Pas me faire chier. Merde, c'était quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Ça y a un bouclier là. Quoi? Ah mais cassez-vous. Ils se sont trompés. Mon dernier jour de congé c'était pendant le mois de la glace. J'ai bien mérité une journée. Je vous trouverai, je le jure. Ici. Je sais pas si c'est la chambre. Porte destructible, putain, ils disent pas qu'est-ce que c'est ici. On va sauvegarder. Pourquoi ça fait sourd? Quand la guerre sera terminée, il aura. Tiens, ce que vous voulez. L'heure du jugement approche. Tellement il se passe. Pourquoi? Hé! Hey, hey. Vous allez vous échapper pas! Pas de pitié! Essayez de courir! Ah oh, allez! Que quelqu'un vienne m'aider! J'en peux plus! Je quelqu'un met l'empoigne! Appelez la grande poignée de l'aide! J'ai besoin d'aide! Quelqu'un se fait attaquer! Qu'est-ce que c'était? Vous pouvez pas faire.
va reprendre l'incendiaire. Enfin, non, c'est des caves incendiaires. Et oh. Alors attends. Si j'étais moi-même infesté de larves de... L'appartement j'ai cru entendre de Delilah. Quelque chose. C'est au-dessus. Putain, il y a de la bouffe partout ici, quoi. Comment je m'entends dessus? Regardez sous les tables. Cachée sous un bureau. Meurs, espèce de parasite. Je parie qu'elle ouvre la chambre forte du duc. What? Ne me faites pas mal. Vous n'avez pas le droit de se cacher. Aidez-moi. Adieu. Laissez le soldat mécanique s'occuper d'elle. Je veux pas mourir. Carnage. Bonjour. Vous n'irez nulle part. Pour les protocoles de combat. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon sang. Je vais. Rien d'impressionnant. Le tueur a eu quelqu'un d'autre. Mauvais choix. Message en cas d'ennemi clairement porte secrète. Protocole de combat numéro 6. Vous allez payer pour sa mort. Ça, ça pue, ça, par contre. Ce message indique que quelqu'un a échappé à la machine. Votre... Ce message indique que l'ennemi s'est échappé. S'en fout. Alors, il y a un passage secret ici. C'est pas qu'une bouteille apparemment. Passage secret. Tu aurais pu lui épargner tant de vie. Mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Boîte, lui, ça. Tu veux que je te guide? Que je t'aide à trouver la voie? Bah ouais, on m'ouvrait la porte. Perdons-nous ensemble l'espace d'un instant. L'ennemi a réussi à s'enfuir. L'ennemi a réussi à... Comment on ouvre ce porte de merde, hein? Tant d'objectifs. Attends, déjà je vais sauvegarder. Il donne pas des indices d'objectifs ou quoi, hein. La garde a été renforcée dans les appartements de Delilah. Vous avez surpris une conversation relevant que le duc avait gardé la clé de la chambre forte sur lui, ouais. Chevalier impérial et clé de la chambre forte. Bah ouais, je veux bien, mais... Comment on l'ouvre la chambre forte? C'est ça la question en fait. En fait, faut mettre... Ah. Petit bouton. Voyons un peu ce que le duc a bête. Sauvegardons. Je sais pas pourquoi avec l'esprit je le sens mal. Dans le sens... Merde, je sais pas si j'ai sauvegardé. Si, j'avais sauvegardé. Il cache ici. Alors, est-ce qu'il y a... Delilah Copperspoon. Il prit son tableau ou ça se passe comment? Hop, on les tatoue. Ça
ça je prends. Ça sert à rien. Ça sent le robot derrière. C'est sûrement la chambre forte du duc. Bon, j'ai récupéré une chevalière, elle doit bien servir à quelque chose. Porte du coffre. Oh. Je suis prêt à me battre. La machine a détecté quelque chose. La tête est détachée, impossible d'identifier les ennemis. Elle les tuera tous, de toute façon. L'ennemi a réussi à s'enfuir. Passe des trucs avec ça là. Je fais le tour hein, pour récupérer déjà blindes de munitions ou quoi, parce que je suis à la ramasse moi. Vos vieilles cicatrices vous démangent, Duc Abel. Tous les blingos d'or de fou. On va faire un truc, c'est que je vais sauvegarder avant au cas où il se passe quelque chose de pas bien. Ashworth a fabriqué cet objet pour recueillir l'esprit de Delilah. L'heure est venue, libère-moi de cette mort suspendue, de ce monde empoisonné. Emprisonne Delilah à ma place. Je ne peux pas faire ça. Tu es tout ce qui compte pour moi. Laisse-moi m'en aller. J'en ai déjà trop vu. Tu as du sang sur les mains. Je l'ai fait pour toi. Pour garder ton trône. Perpétuer ta mémoire. Mon enfant, tu es devenu l'exact opposé de tout ce que je voulais défendre. Je t'aime. Mais tu dois me laisser partir. Dans le temps, je tue tout le monde. Ha ! Je fais comme mon père. Enfin, soi-disant père. C'est fait. Je vais pouvoir ramener l'arme de Delilah. Le cœur de ma demi-sœur. Seule sa chair demeure. Si je transperce son cœur, ça fait quoi? Je me demande si cette chose était vraiment vivante. Tu pensais vraiment qu'elle serait fière de toi? Ok, nous on va se barrer en haut. Ça sent qu'il y a des gens en haut, donc on va sauvegarder. Hein. Tu n'as plus personne maintenant. Je suis ta seule famille. Chaque fois que tu prenais une vie, une part d'elle-même mourrait. La machine est toujours inactive. C'est l'occasion de charger la deuxième. Discrétion 0. Détection visuelle par l'arrière. Message en cas de détection On se tire. Bonjour. T'es privé du duc. Adieu. D'une décharge électrostatique. Restez à l'écart. Aïe, Qu'est-ce qu'il y a? Putain, mais je suis revenu au début. Le message indique que l'ennemi s'est échappé.
Oh. Laissez le soldat mécanique s'occuper d'elle. Remis. Écartez-vous. La machine a besoin de vous. J'ai fait de reprendre de la vie, moi. Parce que... On se tire. Je sais pas pourquoi je prends une course ce truc. Wario. Ah. Bonjour. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Allez, là-bas. Non, mais t'es là. Bonjour. Le signal. Alors, ça y est, c'est la chute de Karnaca. Le duc Abel est mort. Longue vie à celui qui prendra sa suite. Retournons sur le Dreadful Whale et mettons le cap sur Dunwall. Oui. Ça y est, enfin. Je vais pouvoir remonter sur le trône et chercher un moyen de sauver mon père. On peut y aller ? Oui ! Ramenez-moi au bateau. Très bien. Comme vous voudrez. Et bien les amis, c'est ici que l'épisode se termine. J'ai remis 42 minutes. Bon, j'en ai 47 sur ma vidéo, c'est parce que j'ai un peu fail. J'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager la vidéo, rejoindre la chaîne, le Facebook, le Twitter, tous les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour la suite et presque la fin du jeu. Portez bien et à bientôt !